Ma personnalité artistique, c'est que tu délires en fait. Moi, j'aime délirer. Hein. Ma personnalité artistique, c'est moi, quoi. C'est YP Dave Mo. Moi, et tout mon barda, et tout mon style, tu vois, c'est tout mon délire. Que pense mon entourage de moi? Certains disent que je dors, d'autres me disent que je devrais pas rester ici. Que je fais, c'est ça s'écouterait plus ailleurs qu'ici. On me dit tout le temps, mais pas en France, reste pas ici. Puis d'accord, c'est vrai ce qu'ils disent, peut-être dans un coin. On me dit toujours, ouais, mais c'était à Paname, ça marcherait mieux. Kayen, tu vas galérer, ils vont te bloquer, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Je dis, mais on pense toujours qu'entre nous, on va jamais avancer. Genre, l'homme est un loup pour l'homme, tu vois, on va toujours se bouffer entre nous. Je suis pas dans cette pensée, je préfère rester positif et me dire que c'est les gens quand même qui décident. Après, le combat, c'est se faire diffuser, c'est au niveau de la promotion. Et on me dit que je suis fou parce que bon, j'ai cette vision-là, en fait, de la musique. Et moi, c'est comme ça que je suis, je ne changerai pas. Peut-être qu'un jour, je partirai, hein, je sais pas, hein, peut-être pas à force des choses, peut-être partir. Soyez pas déçus, je suis toujours là. Si j'ai des fans, mes premiers fans sont ceux qui sont proches de moi, en fait, ce sont mes proches. Mes amis, ceux qui me soutiennent, ceux qui sont là. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des fans, mais qui ne savent même pas qui je suis, juste parce qu'ils voient mon style. À Paname, ça m'est arrivé aussi, parce que je traîne avec des potes qui sont dans l'Asie, qui sont assez connus quand même, je vais pas dire leur nom. Et je marche avec eux, les gens, ils sont là. Ouais, oh, j'aime bien ce que tu fais. Tu vois, mais ça, c'est Paname, tu vois. C'est Paname, les gars, j'ai un tas de numéros de DJ de Paname que j'ai jamais appelé. Vas-y, Belinda, fais bouger ton bon pas. Pas de cinéma, montre-nous comment tu fais ça. Alors, c'est comme ça, ne fais pas des tailles, montre-nous que t'es bien hot. Tout comme Aïcha, fais le one shot, montre-nous toutes tes phases, à papaya, babble fire. Marie-Lisa devient complètement fada quand elle te voit bouger des reins comme un anaconda. Ce que je dirais à mes fans, soyez patients. Ce qui vient là, ça va pas vous donner une petite calotte, hein. Non, c'est de la bombe atomique. Je serais étonné, je pense, de voir que je parte dans une certaine direction. Mais après ça, on fêtera ça autour d'une coupe. Ça va le faire, comme d'hab, vous savez déjà, quoi. L'accessibilité, bah oui, tout le monde peut me parler. C'est vrai que de prime abord, j'ai l'air d'un gars fermé, tu vois, les gens. Moi, toujours dit, ouais, et puis c'est un gars qui se la pète et tout, mais je me la pète pourquoi? Non, je suis accessible, t'as mon Facebook, n'importe qui peut me connecter sur mon Facebook. Du même nom, tu vois, YP Dave Mo, tu arrives, tu me demandes. J'ai reçu plein, j'ai reçu pas mal de demandes en plus ces derniers temps, tu vois, de personnes qui veulent faire du son. Moi, je suis pas fermé, je suis toujours open. Dès que c'est carré, ça par contre, je déteste les gens par carré, tu vois, les gens qui disent ce qu'ils veulent faire et puis ils me donnent des RDV sans excuse. Me donner rendez-vous, t'excuses. Tout le monde a des problèmes, tu vois, ça c'est la vie, c'est les aléas de la vie. Mais les gens pas sérieux, c'est même pas la peine de se ramener ça. Je déteste, j'aime pas perdre mon temps par contre. Ça en musique, j'aime pas perdre mon temps. Tu ferais tout et passer trop mille. On ne peut régaler ton style. Et que lorsque tu fais tes pas, quand tu bouges comme ça, et quand tu fais tout ça, baby, tu peux pas faire ça. Venez-moi sur Facebook, mon numéro de téléphone, il est trop chaud. Non, j'ai pas vu que ça, non. Facebook, YP Dave Mo, tu m'envoies un petit message. Tout le monde a Facebook aujourd'hui. Maintenant, c'est Facebook. Fais péter ton Facebook. Tu vois, je te fais péter le mien. YP Dave Mo. Vas-y, retiens. Je vais faire un truc, y a pas de souci. Je compose de tout, de toute façon. On peut toujours travailler. De toute façon, moi, je suis pas tout seul. J'ai une équipe. J'ai des gens qui s'embattent avec moi, qui ont l'expérience surtout. Donc, s'il y a un truc que tu veux faire, même si je suis pas apte à le faire, pour t'emmener, te diriger, y a pas de souci. Vas-y, Belinda, fais bouger. T'es un bon plat, pas de cinéma, montre-nous comment tu fais ça. Alors Aïssa, coussé comme ça. Ne fais pas des tailles, montre-nous que t'es bien hot. Tout comme Aïcha, fais le one shot. Montre-nous toutes tes phases, à part toi y'a pas plus fire. Marie-Lisa devient complètement fada quand elle te voit bouger des reins comme un anaconda. Et au big up à TG, faites le travail, n'arrêtez jamais de gamberger sur les artistes que vous allez faire passer. Faites le travail et surtout, jamais n'abandonnez les enfants de votre pays. Gaïa la fight, you know, ATG, respect.